Bonjour, bonsoir les matelots. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois de Azur Lane suite au live du 22-07, c'est-à-dire juillet 2019. Du live par rapport au live d'Azur Lane version japonaise où je vais vous montrer ce qu'ils nous ont annoncé et ce qui va arriver. Sans plus tarder, allons-y. Alors, on commence avec cette image. Alors, qu'est-ce que cette image montre? Cette image, en fait, est ce qui se passera sur le très certainement sur le N et le JP sur tous, d'une pré-event. En grosso modo, ce seront des types de missions d'escorte. Ah, c'est comme il dit, c'est avant la tempête. Et c'est des missions, un peu, si vous vous rappelez ce qu'on a eu avant l'event de Bismarck, avec le Bismarck, on a eu un pré-event avec je sais plus combien, j'ai oublié le nom. On a eu un pré-event avec ça. Avec un pré-event avant le gros event. Et là, c'est dans le même genre d'idée. Grosso modo, là, on fera des missions d'escorte, de cargo et de protection. Aussi, petite nouveauté de ce qui va se montrer. Là, ce que vous voyez là, c'est la map du pré-event. Ça va être comme ça. Alors, je sais pas si ça va être les nouvelles maps du jeu. Ça, je suis pas un expert, hein, j'ai pas compris. Je suis pas pro LV2, tout ça. Japonais, mais je parle quand même le japonais un minimum. C'est la map du pré-event. Alors, il est possible que ce sera les maps de l'event aussi, ou que les nouvelles maps soient comme ça. Hein. Des maps des events. C'est à voir. Ensuite, nous passons à au gros du sujet. L'event qui va arriver. Le gros event qui arrivera. Grosso modo, ça va être avec, ça va tourner autour d'Enterprise, hein, on va pas vous le cacher, hein, l'image avant l'a montré, tout ça. Donc il se peut qu'on revoie Alter Enterprise qui arrive. Ensuite, il y a deux skins qui seront annoncés, qui ont été annoncés, si je dis pas de connaître, 4 navires qui ont été annoncés. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas de date encore sur quand il arrivera, mais il arrivera à mon avis d'ici une semaine ou deux. Jeudi, à peu près, environ, hein. Alors nous commençons avec le tout premier qui a été montré lors du live, le San Juan de la classe Atlanta qui fait partie de la même classe que San Diego. Tenir, ça se voit à la tenue, je présume, vous le voyez clairement, et ce sera une rare. Ensuite, nous avons l'USS Birmingham de la même classe que Cleveland. Donc c'est une SR, hein, ou Elite, hein, comme ils disent sur le LN. Hein. Moi je dis SR, mais bon, parce que, voilà, je suis habitué. Voilà, c'est la même classe. Hein. Allez, on va passer au suivant maintenant. Ensuite, nous passons avec un autre croiseur, l'USS Baltimore. Bah, c'est le croiseur de la tête de sa classe, hein, c'est le premier de la classe, hein, tête de liste. Hein, c'est la classe qui porte son nom, hein, voilà, vous voulez que je dise quoi de plus, hein. C'est comme ça. Hein. C'est une SSR, donc oui, elle sera limitée et tout ce qui s'en ira avec. Ensuite, nous passons avec ce fameux cuirassé mystère qu'ils ont annoncé. Alors, on sait d'ores et déjà que c'est un cuirassé de Legal Union, de l'USS, mais que c'est aussi un SSR. Alors, mon hypothèse en regardant les tourelles, c'est que c'est un cuirassé de la classe Iowa. Ah, ça peut être soit l'Iowa, soit le New Jersey, soit le Missouri, et soit le Wisconsin. Bon, mon hypothèse, c'est un de ces classes-là de cuirassé. Après, je ne sais pas lequel c'est. C'est là le souci. Si vous avez une idée, mettez-le dans les commentaires. Mais n'hésitez pas. Commentez, je regarderai, on en discutera. Ensuite, nous avons les skins de... Ah, j'ai oublié le nom. Les skins des deux navires qu'on a annoncés au début de vidéo, si je ne trompe pas, c'est le Birmingham, voilà. Et le Baltimore qui va arriver tout de suite après. C'est des skins, grosso modo, d'écolières qui vont à l'école. Oh, on remarque quand même que le Birmingham, il y a un VTT. Hein. Ils ont un petit fétiche chez Azur Lane d'avoir des vélos. Hein. Ou les chats noirs. Et là, c'est le Baltimore, le skin de Baltimore qui... Qui donne un peu gars là quand même. Un peu rebelle. C'est un peu en soi dans l'esprit de Legal Union. On va pas se cacher.
si t'as aimé la vidéo, lâche un like, ça coûte rien. Et si tu veux soutenir la chaîne, abonne-toi et mets la cloche pour avoir les notifications des dernières vidéos qui sortiront. Comme ça, tu seras tenu au courant de l'actualité de la surhaine. Allez, matinée.